Please be seated. Veuillez vous asseoir. Yes, Ms. von Vlissinghausen. La juge présidente, Maître von Vlissinghausen. Maître von Vlissinghausen, rebonjour, mesdames les juges. Avant la pause, nous étions en train de parler du préjudice matériel. Il réside également dans la nature brutale des attaques visées par les charges sur Kodom et Bendizi. Ces attaques étaient généralisées. On a incendié, on a endommagé des maisons et les biens des résidents. La propriété, les biens n'ont pas seulement été détruits, ils ont été pillés, y compris des récoltes, du bétail, des meubles, de l'argent, de l'or, des bijoux. À ce jour, aucune des victimes participantes n'a été indemnisée pour ces pertes matérielles immenses. Le témoin à charge P0020 a résumé de façon percutante ce qui, à son avis, représente l'impact du conflit de 2003-2005 sur les membres de sa communauté. Il a dit, et je cite, le conflit au Darfour Ouest a eu un impact sur la communauté Four, sur le plan économique, social, culturel, voire émotionnel et psychologique. La communauté Four a perdu toutes ses ressources. Même les champs, les terres agricoles ont été détruits. Les gens ont dû quitter leur région et ils vivent à ce jour dans des camps pour personnes déplacées, parfois dans des camps à l'extérieur du pays. Nous ne serons plus jamais capables de parler de leur subsistance. Leurs établissements éducatifs ont été détruits, leurs commerces ont été détruits. C'est un cycle de la vie qui a été détruit tout entier. Rien. Ils n'ont rien laissé. Fin de citation. Je fais référence à la transcription 41, pages 77 à 78. Étant donné que toutes les victimes participantes ont subi des pertes du fait des circonstances actuelles et du fait que près de deux décennies se sont écoulées depuis les événements visés par les charges à Kodom, Bendizi, Moukchar et Delej, il est très important, à notre sens, de savoir ce qu'ils escomptent de cette procédure devant cette cour et de votre auguste chambre. Pour ma part, je ne puis que vous offrir une réponse partielle découlant de témoignages de témoins à charge en l'espèce et découlant de nos consultations avec les victimes participantes. Les victimes des crimes allégués en l'espèce veulent la justice, veulent que l'on mette fin à l'impunité et ils veulent une reconnaissance en leur nom, au nom de leur famille et de la communauté Four dans son ensemble. Mais ils veulent aussi, comme je l'ai indiqué précédemment, la concrétisation de l'engagement de la communauté internationale contre les violations graves et des droits de l'homme et les crimes graves. Et ils veulent une mesure qui les protège contre la répétition de ce comportement terrible et déshumanisant et des circonstances auxquelles les victimes participantes ont été assujetties. À plusieurs reprises, nous avons entendu des victimes participantes nous parler de la conviction selon laquelle le processus de la justice fait partie intégrante de la résolution de l'instabilité continue et de la violence continue qui sévit au Darfour et, somme toute, la possibilité pour eux de retourner dans leurs terres ancestrales et retrouver leur vie traditionnelles et leur communauté. C'est quelque chose qui ressort régulièrement, à savoir ce souhait de retourner sur leurs terres ancestrales. Ces vues ont été exprimées de façon éloquente. Et comme j'ai donné lecture d'une citation au début de mon intervention, des témoignages des témoins P0584, P0907 et P0986 qui ont également la qualité de victimes. Les victimes participantes ont insisté auprès de nous du besoin
ou de la nécessité pour la justice de suivre son cours et de l'importance pour la procédure judiciaire de progresser depuis la survenance des événements de 2003 et 2004 qui ont marqué leur vie. Une des victimes de l'événement de Bendisi m'a dit, à titre d'exemple, que pour elle, et je cite, « La justice, c'est être capable de mener une vie digne. Si la justice est rendue, mes droits sont restitués et je peux retourner dans ma ville natale. Vivre comme je le faisais autrefois, ma dignité, je retrouve ainsi ma dignité et c'est ça la justice pour moi. » Fin de citation. Une autre victime de l'événement de Kodoum m'a expliqué la situation en ces termes, et je cite, « Si je retrouve mes droits et si justice est rendue, peut-être que je pourrai revivre en tant qu'être humain. Si je peux retrouver mes droits, je retrouverai aussi la liberté et je pourrai mener ma vie. » Fin de citation. Une autre victime participante s'est adressée à moi et, par mon truchement, à vous. Elle a dit ceci, et je cite, la représentante légale des victimes et la Cour, d'une manière générale, sont responsables de ce sur quoi nous travaillons depuis fort longtemps. Nous avons fait des plaidoyers, nous nous sommes plaints, nous sommes à la recherche de justice depuis 20 ans. Aujourd'hui, tout cela n'est plus de notre ressort. Les choses sont entre vos mains. Fin de citation. Pour nombre d'entre vous, je le crains, notamment ceux qui ont lu notre mémoire en première instance déposée le 31 mars de cette année, certains de ces arguments, certains de ces récits peuvent paraître redondants et très similaires à ce que vous avez entendu d'autres victimes participantes dans d'autres procédures vous dire. En revanche, nous aimerions mettre en exergue la chose suivante et nous exhortons votre Chambre à garder à l'esprit le fait qu'il s'agit là de vues et de préoccupations fondamentales, solennelles, exprimées individuellement par les victimes participantes dans le cadre de cette procédure. Donc, par conséquent, ces vues et préoccupations ne sauraient être redondantes. Très souvent, lorsque nous parlons de violations du droit pénal international et du droit international humanitaire, nous parlons de macro-criminalité et tous les protagonistes dans ce processus ont suivi un parcours qui est non seulement enchevêtré, mais qui remonte dans le passé, mais qui, en périphérie, se trouvent des spectateurs qui ont des idées reçues complètement différentes. Mais en règle générale, lorsqu'il s'agit des grands enjeux sociaux, il y a débat. Et lorsqu'il s'agit de l'histoire, il y a invocation. Il y a un accord sur le sujet, sur l'objet de cette procédure, à savoir la responsabilité de l'auteur, et non pas, il ne s'agit pas de faire des enquêtes sur des faits historiques. Et en mettant l'accent sur la responsabilité pénale individuelle de l'accusé en l'espèce, nous devons en même temps être en mesure d'évaluer l'impact individuel et les conséquences pour chacune des victimes participantes qui ne seront plus jamais les mêmes, indépendamment de circonstances similaires et répétées, cruelles et externes. S'il est vrai que la communauté s'en ressent dans son ensemble, nous ne devons pas non plus limiter notre compréhension de ces notions comme étant une souffrance collective. Par conséquent, j'invite les juges de cette chambre à prendre le temps nécessaire et à accorder l'attention nécessaire au récit individuel des victimes et au caractère singulier du vécu de chacun, plutôt que de prendre la participation des victimes en l'espèce dans son acception ou dans son en tant que quelque chose de collectif, c'est-à-dire le groupe de victimes ou communauté de victimes. Pour terminer, au nom des 600 victimes participantes que je représente, j'aimerais donc vous faire part de quelques messages que j'ai reçus de leur part au cours des dernières semaines. Ce sont leurs voix et leurs mots qui importent le plus. Et par conséquent, je voudrais leur donner la parole pour terminer. Premièrement, nous avons Mohamed. Évidemment, il ne s'agit pas de son nom véritable. Originaire de Bindisi, il a environ 70 ans. C'est un réfugié de longue date qui se trouve au Tchad.
Je vous prie de m'excuser, Madame la Présidente. Parfois, la technologie ne fonctionne pas aussi bien que nous aimerions qu'elle fonctionne. Je demande votre indulgence. La juge présidente, je suis connu pour ma patience, comme vous le savez. La juge présidente, Madame von Westinghausen, il ne semble pas y avoir de problème technique, même si on a effectué des tests ce matin, ça ne semble pas fonctionner. Est-ce que vous voulez que l'on suspende l'audience pendant que l'on essaie de régler le problème, Maître von Westinghausen? Ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera pas, ou est-ce qu'il s'agit simplement de trouver une solution? La juge présidente, je crois que ça ne fonctionnera pas. Du moins, c'est ce qu'on me dit. La juge présidente. Non, apparemment, ils vont essayer de régler le problème dans un instant. Maître von Westinghausen, ce serait vraiment dommage. Parce que le but était vraiment pour vous d'entendre les voix des victimes participantes. Je ne voulais pas simplement lire leurs propos en leur nom. La juge présidente, oui, je comprends parfaitement. Maître von Fistinghausen, là j'ai pu entendre quelque chose. En nom de Dieu, le tout miséricordieux, le plus miséricordieux, je suis résident de Bindisi, de la localité de Bindisi. Depuis 2003 jusqu'à présent, nous vivons. Le greffier d'audience interrompant. Maître, pourriez-vous recommencer depuis le début? Maître von Fistinghausen, est-ce que vous pouvez rediffuser depuis le début? Les interprètes ont la transcription, donc je leur demanderai de nous faire une traduction de cela, s'il vous plaît. So if we can play them, je vous demanderai de diffuser d'abord le premier extrait, ensuite le deuxième, et ainsi de suite. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je suis un des résidents de la localité de Bindisi. Depuis 2003, Maître Lauchi, c'est à l'évidence le mauvais segment. Ce que j'entends dans mon casque d'écoute n'est certainement pas la victime de Bindisi. Maître von Westinghausen, je suis désolé, mais moi je ne comprends pas. Maître Lauchi, je reconnais la voix, c'est une voix que je reconnais très bien, et cette personne se trouve derrière moi, donc ce n'est pas Maître von Westinghausen, je suis désolé, mais Maître Lauchi, non, c'est la voix de M. Abdelrahman que nous entendons maintenant. Why are we hearing Mr. La juge présidente, pourquoi est-ce qu'on entend la voix de M. Abdelrahman? Maître
Non, nous ne sommes pas censés entendre la voix de M. Abdelrahman, mais plutôt la voix de la victime A-2670-20. C'est un résident de Bindizi, il a un message à vous transmettre. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons reçu ce message, que nous l'avons envoyé au service de gestion de la cour et nous avons remis la transcription de tous les messages aux interprètes pour leur faciliter la tâche. And to defense and prosecution. Ainsi qu'à la défense et à l'accusation, je crois. Je pense que tout le monde a reçu copie de ces transcriptions. Hein? T'es sûr que c'est ah oui? Client, c'est attends, le micro, micro, micro. We did. La juge présidente, la juge Alapini Gansou, m'a dit que la première fois que nous avons entendu cette voix, on a entendu parler de Bindizi, alors je ne vois pas pourquoi maintenant vous attribuez la voix à quelqu'un d'autre. Maître Lauchi, oui, tout à fait. Le premier serment était le bon. La juge présidente, Maître Van Vestigranson, je comprends pourquoi vous tenez à diffuser cet extrait. Nous allons simplement suspendre l'audience pour donner le temps aux techniciens de régler le problème. Maître Van Westinghausen, si cela ne vous dérange pas, parce que c'est ainsi que nous souhaitons achever nos déclarations d'ouverture. Oui, donc si vous m'offrez la possibilité, je veux bien. C'est ainsi que nous avions conçu notre déclaration. Donc il est important que vous entendiez ces messages qui nous ont été transmis à cette fin. Donc, si l'on pouvait régler le problème technique, la juge présidente interrompant. Très bien, nous allons suspendre l'audience le temps de régler la situation. Et étant donné qu'on m'avait dit de façon catégorique que tout a fait l'objet de tests la semaine dernière et que tout fonctionnait très très bien, je trouve cela décevant. Nous allons suspendre l'audience. Soyez vous levez. Rise, soyez vous levez. Please be seated, soyez vous asseoir. Mr. Lauchi, I'm told you. La juge présidente, Maître Lauchi, on me dit que vous êtes intervenu. Et que vous aviez tort, en fait, et il ne s'agissait pas de votre client du tout. Nous sommes prêts maintenant, Maître von Wissengrafson. Permettez-moi de vous parler un peu du contexte dans lequel ont été enregistrées ces vidéos. Il s'agit de vidéos envoyées par les victimes participantes. Nous n'allons pas diffuser la vidéo pour des raisons évidentes. Nous avons donc choisi de diffuser uniquement le message sonore pour que vous entendiez la voix des victimes participantes. Comme je l'avais indiqué précédemment, avant cette interruption technique, nous allons commencer donc avec un monsieur de 70 ans, originaire de Bindizi, qui a environ donc 70 ans, et c'est un résident de Caen pour personnes déplacées. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, je suis un des résidents de la localité de Bindizi depuis 2003. Et à ce jour, nous vivons une grande souffrance. Je demande au juge de la CPI, si Dieu le veut, de rendre justice en notre nom. Nous continuons de souffrir. Nous n'avons pas d'éducation convenable. Nous n'avons pas accès aux soins de santé. Nous n'avons pas de nourriture. La situation dans les camps est très difficile et les ONG nous offrent de l'aide, mais en quantité insuffisante. Cela n'aide que 10% ne répond à 10%, qu'à 10% de nos besoins. Par conséquent, nous demandons à ce que justice soit rendue pour que nous puissions retrouver nos droits, pour que les habitants
du Darfour dans leur ensemble et les victimes, plus précisément, puissent retrouver leurs droits. Merci à vous. D'œuvrer pour la justice à la CPI. Merci à vous et que Dieu vous bénisse. Next, we will hear. Maître von Wistinghausen, maintenant nous allons entendre une autre victime participante que je vais appeler Idriss. Comme Mohamed, il vient de Bindisi. Et c'est un réfugié de longue date au Tchad. Il était adolescent à l'époque de l'attaque contre Bindisi. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je suis de la région de Wadi Saleh et plus précisément de Bindisi. J'étais dans la région de Bindisi et j'ai tout perdu. J'ai beaucoup souffert après avoir fui de Bindisi à Moukhtar, puis à Delej. Par la suite, je suis allé me réfugier au Tchad. Et je vous parle maintenant, je m'adresse à la CPI. Évidemment, je ne peux pas vous révéler trop de détails. Je vais simplement vous parler de manière brève. Nous avons vécu une grande souffrance. Nous avons perdu la vie, nous avons perdu tout ce que nous possédions. Nous avons tout perdu depuis le début de la guerre. Et je vous dis que nous souffrons. D'abord, du manque d'éducation et deuxièmement, du manque de nourriture. Nous vivons dans des conditions très, très difficiles et nous souffrons du fait que nous n'avons pas accès à suffisamment de soins. Les organisations nous fournissent de l'aide, mais cela ne satisfait qu'aux besoins de 5% d'entre nous. Nous avons perdu les besoins de première nécessité pour notre survie. Nous manquons de tout. Et cette vidéo que vous allez regarder maintenant, eh bien, vous me voyez, je suis dans une ferme, la ferme de quelqu'un d'autre. Je suis à la recherche de nourriture parce que nous souffrons. Et cette souffrance dure, nous la vivons depuis 19 ou 20 ans en tant que déplacés internes et dans les camps de réfugiés. Nous voulons donc nous adresser à la Cour pénale internationale afin qu'elle accélère le procès pour que nous puissions retrouver nos droits. Nous chérissons notre terre natale. Notre terre nous est très chère. Peu importe ce qu'il arrive, je garderai toujours dans mon cœur ma terre natale. Et nous nous tournons vers la justice, vers la Cour pour obtenir justice. Parce que si nous réussissons à obtenir justice, nous pourrons retrouver nos droits et les droits de tous ceux qui ont été affectés. Parce que je parle aussi au nom de ceux qui ont été affectés par cela. Si la Cour nous rend la justice, nous pourrons retourner dans nos terres. Comme je l'ai dit, la ferme où je me trouve actuellement appartient à quelqu'un d'autre. J'essaie simplement de gagner ma vie. Et comme vous pouvez le voir, vous regardez mon allure. Nous travaillons dans la ferme de d'autres personnes. Nous travaillons très dur. Merci beaucoup. Et je suis très, très reconnaissant aux représentants des victimes de vous avoir transmis cette communication. Je suis très heureux, très, très heureux. Merci. Madame von Wistinghausen. Maintenant, Ibrahim va s'adresser à vous. Ibrahim est à l'origine de Koudoum. C'était un jeune homme à l'époque, lors de l'attaque du 15 août en 2003, comme Mohamed et Idriss. Ibrahim est un réfugié de longue date au Tchad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Min mushariki al-Mahkam al-Janaya. Taïb. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je suis une victime participante auprès de la Cour pénale internationale. Je vis actuellement en tant que réfugié au Tchad. Je suis originaire du village de Koudoum. Avant le conflit, je vivais dignement dans mon village de Koudoum. Nous nous adonnions à l'agriculture, au commerce, à l'élevage et nous
et nos enfants fréquentaient l'école et nous étudions également. Toutefois, après le conflit, nous avons subi de grandes difficultés et des circonstances extrêmement difficiles. Après le début du conflit, j'aurais sans doute dû trouver la mort, mais Dieu m'a sauvé. Un grand nombre des membres de ma famille ont été tués et d'autres ont été déplacés. D'autres encore ont subi des viols. Aujourd'hui, après de si grands efforts, j'ai pu me rendre en République tchadienne avec ma famille. En tant que réfugié au Tchad, nous faisons face à de très nombreux problèmes de logement, de pénurie alimentaire, questions sanitaires et sécurité. Nos habitations sont construites en paille et elles partiraient en fumée en quelques secondes suite à une seule étincelle. On ne peut pas se permettre de construire des maisons plus solides pour nous protéger du froid ou de la chaleur. Dans les maisons en paille, nous ne pouvons pas nous protéger du froid extrême l'hiver, ni de la chaleur extrême l'été. Nous n'avons pas de matelas, nous dormons sur une natte à même le sol. On ne peut pas se permettre d'acheter du matériel pour dormir. Pour ce qui est des conditions de vie, elles sont déplorables. Il est très difficile de survivre. Les ONG nous aidaient en nous donnant des rations, mais aujourd'hui, elles ne nous aident plus. Il n'y a pas d'usine ou d'entreprise dans ce pays où l'on peut chercher du travail pour ainsi subvenir à nos besoins et acheter de la nourriture et couvrir tous nos besoins pour vivre, pour l'éducation, pour la santé. Notre destin est très précaire. Du point de vue de l'éducation, j'ai 8 enfants, 3 filles et 5, 3 garçons et 5 filles. 4 des 8 enfants ont quitté le système scolaire en raison de l'absence de fonds pour payer les droits d'inscription. Les 4 autres étudient toujours. Ceux qui poursuivent leurs études aujourd'hui devront un jour ou l'autre s'arrêter parce que nous n'avons pas suffisamment de ressources et il n'y a aucune opportunité d'emploi. Même s'ils continuaient et finissaient le lycée, ils ne pourraient pas poursuivre leurs études à l'université. Ils sont destinés à avoir le même sort que leurs frères et sœurs. Next, Your Honours, we'll hear. Madame von Vistingenson, une autre victime participante que nous appellerons Abdul. Abdul s'adresse à vous à partir d'un camp de personnes déplacées au Darfour. C'est un homme âgé qui a survécu aux incidents visés à Delej. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, j'ai 94 ans. Je vis à Kalma aujourd'hui, au camp. Et comme vous pouvez le constater, depuis que nous avons dû quitter nos maisons, nous vivons une situation terrible telle que celle-ci. Nous n'avons pas suffisamment d'eau ou de nourriture, à l'exception de ce que les Blancs nous apportent. Ils nous en donnent un peu, mais ce n'est pas suffisant. Mon message aux juges de la CPI est qu'ils doivent examiner ce qu'ils nous ont fait. Ils ont tué notre peuple. Ils nous ont forcés à partir et ils ont pris nos terres. Nous demandons justice afin que réparation nous soit faite. Nous souffrons aujourd'hui. Madame von Vistingenson, mesdames les juges, nous allons entendre un homme que je vais appeler Siddiq. Il a survécu aux incidents de Moukhtar. Il a une 60aine d'années. Il est réfugié de longue date au Tchad également. J'ai été humilié,
et je souffre de très nombreux problèmes, traitement médical, pénurie alimentaire. Nos femmes et nos enfants, s'ils tombent malades, on ne peut pas se permettre de les guérir. Il n'y a pas suffisamment de nourriture. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous demande de bien vouloir accélérer ce dossier, le dossier du Darfour, afin de remédier à nos problèmes et afin que je puisse retrouver mes droits et les droits de ma famille et pour tous les gens, pour que tous les gens du Darfour retrouvent tous leurs droits. Je vous remercie et que la paix soit avec vous. Last. Note de l'interprète de la cabine arabe, est-il possible d'observer une pause, s'il vous plaît? La cabine arabe, nous sommes prêts, merci. Madame von Wistinghausen, merci. Pour terminer, Kalmuta aura l'honneur de s'adresser à la Chambre. Elle est réfugiée de longue date au Tchad, elle a une quarantaine d'années et est victime indirecte des incidents visés par les charges à Moukdjar au cours desquels son frère aurait été détenu et tué. نفسي في معسكر في شربيجات وأنا أطلب من المحكمة Je suis une victime du conflit. Je vis dans un camp au Tchad. Je demande justice à la cour. Depuis 2004 et jusqu'à ce jour, je souffre dans un camp au Tchad. 19 ans de souffrance dans un camp. Je subis de nombreux problèmes, notamment la pénurie alimentaire, l'absence de soins médicaux et l'absence d'accès à l'éducation. Nous avons reçu un petit peu d'aide de la part d'organisations, mais ce n'est pas suffisant. Si nos enfants tombent malades, on ne peut pas se permettre de les soigner. Les soins de santé sont très chers, il n'y a pas d'argent. On ne peut pas payer les frais de scolarité. Nos enfants ne vont pas à l'école et n'apprennent rien. C'est une grande souffrance pour nous, pour nos familles et pour le peuple du Darfour. Nous demandons justice. La justice doit être rendue. Nous sommes dans le camp ici. La situation est très très difficile. Il n'y a pas d'emploi pour nous. On ne peut pas faire d'économie pour soigner nos enfants s'ils tombent malades. Il n'y a pas d'argent. Les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Je demande au juge de bien vouloir résoudre ce dossier afin que l'on puisse rentrer dans notre pays d'origine. Quoi qu'il arrive, nous rentrerons chez nous afin d'y vivre dignement. Et pour que le peuple du Darfour ait pour que nos familles et pour que les souffrances cessent pour le peuple du Darfour et nos familles, nous retournerons dans notre pays d'origine. Cela fait 19 années que nous souffrons en permanence, les mêmes souffrances depuis 2004 jusqu'à ce jour. La situation va de mal en pis, des souffrances s'ajoutant aux souffrances, pas de changement. Nous souhaitons que les gens de la Cour se penchent sur notre dossier afin de restaurer nos droits. Nous souhaitons la paix et nous souhaitons la sécurité. J'espère que Dieu retournera, nous aidera à retourner dans notre pays en paix. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. On behalf of the party. Au nom des victimes participantes, je vous remercie. Mesdames les juges, la juge présidente, il y a eu une interruption. Madame von Wistinghausen, au nom des victimes participantes, je vous remercie de votre attention. Madame la présidente, mesdames les juges, la juge présidente, merci Madame von Wistinghausen. Est-ce que notre témoin est prêt? On me fait signe que oui.
Madame von Wistegausen, oui, nous aurons besoin d'une courte pause pour établir la connexion. La juge présidente, il ne faudra pas plus d'une minute pour ce faire, je suppose, donc nous allons tous rester à notre place.